Quelle obsession! M'a laissé à l'école après les cours. Ouais, encore une autre qui est punie. Entre et assieds-toi là, pour que je ne t'attende pas. Il n'y a que des attardés ici. Et pourquoi m'ont-ils mis à côté d'eux? Je comprends pas. Salut, je suis Suzy. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Attention, nouvelle de dernière minute. Le monde a été pris d'assaut par des zombies. Sauvez-vous, ils arrivent! Excusez-moi les filles, je dois y aller. Je veux voir ma maman. Les zombies vont nous manger. Quels zombies? Vous avez perdu la tête. Salutations, combattants. Je suis venu vous apprendre la vie. Quoi? Mais t'es qui, toi? La poupée a raison. Je suis votre sauveur. Prends ça, Hulk, tiens. Mesdemoiselles, vous devrez mettre des choses sur papier pour vous aider à vous protéger des zombies. Le premier est un casque. Celui qui est le meilleur dans ce domaine le prendra. Mais pourquoi l'avoir arrosé du sang? Du sang? C'est le ketchup de mon hamburger. Désolée, j'ai juste très faim. Dieu merci, je pensais déjà que c'était un monstre. Je vois que vous êtes prête à vous battre. Mais prenez votre temps. J'ai quelque chose pour vous. Pourquoi mettre ces sacs dans notre visage? Eh bien, on voit pas du tout notre maquillage. On ne voit rien du tout, en fait. Maintenant, je chronomètre le temps et... Ah, elles ne peuvent rien voir, c'est vrai. Vous entendez ça? On se prépare. Bon, c'est une autre chose. Je comprends rien. Quel genre de peinture dois-je prendre? Est-ce que ça fait une différence ou pas? Vous devez vous dépêcher, le temps presse. Stop! Ah, les zombies sont là! Je suis pas une zombie. Ah, mon maquillage parfait! Je pense que je vais juste pas s'asseoir dans le sac. De cette façon, personne ne verra ces tontes. Jetons un coup d'œil à nos dessins. Où est mon dessin? Oh non, je l'ai peint sur la table. Du calme, je vais le mettre sur papier. Regardez ma création, c'est cool? Je pense que Suzy aura le casque. C'est elle qui dessinait le mieux. Ouais, ce casque me protégera des zombies. Célébrons la première victoire avec de la gourmandise. Il n'y a pas de temps pour se détendre, les combattants. En ce moment, vous avez une chance d'avoir une batte. Ma sucette! Désolée, j'ai pas fait exprès. Arrête de parler. Commençons! Pourquoi vous êtes assis là? Au fait, j'ai une surprise pour vous. Au feu! Je peux voir les étoiles, c'est magnifique! Il est temps que vous mettiez votre casque. Défendez-vous! T'as gâché mon dessin! Prends ça! Vous dessinez et je vais me reposer un peu. Mais il est temps d'en terminer en fait. Stop! Voyons voir ce que vous avez fait. C'est encore un choix très difficile. Mais quand même, je crois que celle qui a gagné, c'est Suzy. Cette batte est pour toi. Je crois que quelqu'un veut encore recevoir la balle dans le front. Désolée, je me suis trompée. Bien sûr que c'est Betty qui a gagné. Oh,
Avant, c'était juste des fleurs. Maintenant, il faut dessiner un masque à gaz. C'est parti! Savez-vous à quoi ça sert, ce truc? Vous pouvez donc survivre à une attaque au gaz comme celle-ci. Dépêchez-vous d'ouvrir les portes et les fenêtres. Je peux pas respirer. Je sais ce qui va me sauver. Les bouchons de nez. Quelle odeur horrible! Ils ne se lavent pas du tout, quoi. C'est une bonne chose que j'ai une épingle à linge avec moi. Et moi, je n'en ai pas. Il va falloir supporter tout ça. Et c'est parti pour vérifier votre travail. J'espère que mon dessin gagnera. J'ai vraiment besoin d'un masque à gaz. Je suis sûre que mon travail est le plus beau. Eh bien, c'est vraiment un choix très difficile. Pourtant, je pense que le meilleur dessin est celui de Betty. Bravo! Félicitations! Yay! Il faut que je récupère mon prix maintenant. Alors, Jess et moi, nous allons nous étouffer. N'oubliez pas que la chose la plus importante en matière de défense est une arme. Ah, range ça! Calmez-vous, il n'est pas du tout chargé. Regardez! L'arme n'est pas du tout effrayante. Je crois que vous aviez dit qu'elle n'était pas chargée. Je pense que j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, parce que personne n'a été blessé. Je vois que vous avez repris vos esprits et il est temps de commencer. Comment pourrions-nous nous réveiller s'il a failli nous tirer dessus? Les zombies sont là! Ils peuvent manger la cervelle! La cloche? Désolée, je dois aller en classe. Nous nous sommes heureusement échappés! Mais c'est Madame Green! Bon, on est distrait, on vérifie les travaux. Cette fois-ci, le choix est évident. Jess, l'arme est à toi. Félicitations, ma belle! Traité de belle gosse, cool! Maintenant, je suis une très jolie fille avec une arme. Zombie, attention! La tribu suivante sans laquelle vous ne survivrez pas à l'apocalypse des zombies est la trousse de premier secours avec des bonbons. C'est un rêve! Wow. Croyez-moi, les sucreries peuvent redonner vie à n'importe qui. Mais seul l'un d'entre vous Laura. Prenez votre temps. Cette fois-ci, nous devons rendre les choses plus difficiles. Mais comment allons-nous dessiner avec les mains attachées? C'est impossible! Je suis d'accord. C'est une idée très stupide. Ce sont les règles et vous allez devoir les accepter. C'est parti! Je pense qu'il est temps que nous nous amusions un peu. Laissez-moi dessiner une morsure de zombie sur le bras de Betty pour voir comment elle réagit. Oh, j'ai été mordue par un zombie! C'est mieux! Une concurrente de moi, hein? C'est ça. Allons voir. C'est bizarre. Pour une raison quelconque, je peux pas voir Betty. Elle s'est enfuie. Il faut donc choisir entre deux dessins. Suzy, t'es clairement favorite. Félicitations. Yay, les sucreries sont à moi. J'ai tout compris, Suzy. T'as fait exprès d'organiser cela. Tiens. Tu vas savoir comment faire les choses. Prends tes bonbons.
Ou plutôt, ce qu'il en reste. T'as tout gâché! Ce n'est pas juste! Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains. Et je me débrouille très bien. Ah, ne verrons cela. Je vois que vous êtes prêtes maintenant, mesdemoiselles. Wow, un appareil photo! Quel prix! J'en ai besoin plus que quiconque. J'ai le sentiment que ce combat va être chaud. C'est un début. Et toi, Kate? Tu m'aides? Thank you very much. Merci. Wow, ça se présente plutôt bien. Alors, je peux le faire aussi. Rien n'est comparable à mon dessin. Il est impossible de le distinguer de l'original. Oh my God! Ralentis, Kate. Tu tires des éclairs. Waouh, quel coup! What? Je ne vais pas te laisser comme ça. Attrape le retour. Je ne vois rien. Ça me donne envie d'éternuer. Allons-y. Nos concurrentes sont hors course. Le temps passe si vite et voilà qu'elle touche à nouveau à sa fin. Désolée, Monica. Je ne peux pas te féliciter. Oh, Kate. Bravo. Wendy, ce n'est clairement pas ton heure de gloire. Victoire! Quel bel appareil photo! Donne-le-moi! Pourquoi t'as besoin de cette photo, Monica? Donne-le-moi! On est si mignonne ici! Awesome! J'ai encore eu de la chance. Et je n'ai pas cette chance. Nous sommes prêtes. Vous êtes sûre? C'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà votre prix. Je n'ai jamais vu autant d'or. Sizi, t'entends? J'aimerais pouvoir le prendre. Facilement le faire. L'essentiel, ce sont les bonnes portions. Et dans mon dessin, elles sont parfaites. C'est ça. Si j'avais autant d'or, je pourrais tout me permettre. Monica, pas le temps de rêver. Il faut agir. Ces paillettes dorées m'aideront à gagner. Attention, Wendy! T'as tout gâché! Ah, je pense que ça a bien marché! Je suis prêt à voir vos créations! Oh non! Vous serez agréablement surpris! Alors? Vous m'avez brisé le cœur. C'est impossible à regarder. Stop! C'est doré à nous! Dessiner sans les mains, encore? Mon cœur rit. Ok. Je suis la seule à avoir de la chance dans ce jeu. Hey, Wendy, rends-moi mes lunettes. Avec peu de chance, même sans eux, tu peux voir cette énorme friandise. Hey. Okay, here we go. Tu n'as pas regardé de si près, Kate. Elle est toujours à moi. Yes. What? Et je commence à éliminer la concurrence. J'ajoute des savons à la peinture de Monica. Yeah. Voyons ce qu'elle pourra vous dessiner. Qu'est-ce que c'était, Wendy? C'est encore tes blagues stupides?
je n'ai pas le temps de me laisser distraire par eux. Oh, c'est bizarre. Pourquoi la peinture ne s'enlève pas? C'est une obsession. Arrête de paniquer, Monica. Je ne vois rien du tout. Je vais essayer de reproduire au moins quelque chose. Honnêtement, ça ressemble à un escargot rose. Arrête. J'ai peur que tu n'aies pas réussi, Monica. Oh. C'est un escargot et pas un chewing-gum. What the... What? Oh. Mais Woody, par contre, ouais, ça ressemble à l'original. C'était du don du chewing-gum après tout. Comment j'ai pas pu le reconnaître? Maintenant, tu peux le voir même si tu ne peux pas le goûter. Je vais le manger toute seule. Préparez-vous, il va y avoir une explosion. Oh my God. Wow, Wendy! Je ne te reconnais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Arrête de faire n'importe quoi. Une manche, c'est mieux que rien. C'est sûr. Nous sommes prêtes. Eh bien, vous êtes sur le point de voir quelque chose de spécial. Une pieuvre? C'est dégoûtant. Je ne vais pas me battre pour ça. Oh my God! Faire un mauvais dessin, c'est facile. Oh non, ça ressemble à une pieuvre. Oh non! Félicitations, la victoire est presque dans votre poche. Je pense que je n'ai pas besoin de cette feuille. Un geste intelligent. Pas de papier, pas de dessin. Mais il y a l'origami. J'ai besoin de quelque chose qui fonctionne à coup sûr. Quoi? Tu manges du papier? Je l'ai déjà mangé. Les choses que vous ferez pour éviter de sortir avec une fièvre. Je suis un peu nerveuse. Glisser tout à Kate. Oh my God! J'ai été piégée! Wendy, je vois que tu n'as rien fait. Et toi, Monica aussi? Heureusement que Kate a fait de son mieux pour deux. La pieuvre est à toi. Mais c'est où? Je suis désolée, je dois y aller. Je ne veux pas sortir avec lui. Ciao! Oh non, pieuvre a attaqué Monica. Enlevez-le rapidement. Enfin, rien n'empêchera de faire mes preuves. Ok. Je suis jalouse parce que ça ne va pas être facile pour moi. Je suis sûre que vous allez adorer mon cadeau. Honnêtement, je n'arrive pas à m'en détacher. D'accord, il faut terminer avec ça. J'ai un plus gros pop-it. Wow, j'en rêvais. Awesome. Alors prenez vos pinceaux et c'est parti. J'ai une arme secrète. Je suis sûre que ce n'est pas un match pour mon nez. Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais ajouter autant de couleurs que possible et les imprimer sur papier. C'est une très bonne idée. Oh, c'est pas très bien. Il faut essayer.
Je pense que Monica s'échappe. Nous devons la rattraper. Je pense qu'elle s'en sort bien. C'est quoi ce truc de Wendy? Tu ferais mieux d'arrêter, copine. Oh non, ça n'a pas vraiment marché. Oh, please. Voyons voir maintenant. Okay. D'accord, mais c'est parfait. Awesome. Oui, c'est plutôt bien. Et là, je ne peux pas en dire autant du travail de Kate et Wendy. Monica, ce pop-it, c'est le tien. Gotcha. J'adorerais l'utiliser. J'en veux un aussi. Ne vous arrêtez pas, les filles. Je suis très à l'aise. Oh non, elle est en train de déchirer. Oh non. Eh bien, c'est assez pour moi. Oh, quel délicieux gâteau! C'est difficile de trouver quelque chose de plus savoureux. Quoi? Vous inquiétez pas. C'est comme ça que vous l'aimez bien? Un énorme gâteau! Ça a beaucoup mieux comme ça! Je peux déjà sentir l'odeur. Oui, ça a l'air délicieux. Je peux imaginer à quel point ça va être délicieux. Gardez à l'esprit que vous n'avez qu'une minute pour dessiner le gâteau. Le meilleur obtient cette récompense. Et ce sera certainement moi. Je pourrais utiliser de la peinture spéciale. Merci. C'est ce dont j'ai besoin. Allons-y. Maintenant, elle a de la chance. J'aime pas ça. Mais vous êtes toutes bonnes concurrentes ici. C'est bon. J'ai une idée. Emma, regarde-moi. Oh, qu'est-ce que t'es? Un monstre? Je tombe! C'est mieux comme ça. Maintenant, le gâteau me revient de droit. Très bien, mesdemoiselles, le temps est écoulé. Montrez vos chefs-d'œuvre. Regardez, j'ai le meilleur. Bien, bien. Oh, c'est vraiment très original, j'adore. Que pensez-vous du mien? Un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est décidé. Monica gagne cette compétition. Je le savais. Et alors? Au moins, mes dessins sont comestibles. Que m'est-il arrivé? Quoi? Donc Monica est une voleuse. Rien, j'ai une idée. Vous aimeriez que le gâteau soit en plein dans votre visage. Zach est pathétique, mais la vengeance est plus importante. Monica, t'es très chanceuse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh non, voilà le gâteau! Oh! Oh! Mais j'ai gagné, moi! Alors, mais mange ton gâteau! Sur le sol! Tu sauras comment voler des dessins. Ce n'est pas juste! Si c'est, voilà. Et le gâteau est très bon aussi. J'ai gagné, mais maintenant je suis assise dans cette poubelle. Horrible. Je me demande ce que c'est cette fois-ci. Maintenant? Oui, ouais, voilà. Ici, regardez comme ça brille. Vous allez adorer cette pierre. Pas une mauvaise pierre, je suis d'accord. On donne ça pour les beaux yeux? Waouh, c'est tellement gros. C'est vraiment gros et croyez-moi, c'est très cher. Alors faites de votre mieux et vous l'aurez. C'est parti. Eh bien. Oh, je peux réutiliser ma pierre. C'est pas mal non plus en fait. Quelque chose me dit que je peux gagner. Quelle belle pierre. Je serai heureuse de l'obtenir, mon cher Zach. Je verrai n'importe quoi pour Zach. Waouh, elle est vraiment pas mal. Eh bien, je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Désolée, mes amis. Mais c'est pour une bague coûteuse. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la lumière? Je ne vois rien. Où est tout le monde? Pourquoi c'est si sombre? Eh bien, c'est ma chance. Maintenant,
Je vais posséder cette belle bague. Eh bien, le temps est écoulé. Êtes-vous prête à exposer vos peintures? Oh, je ne suis plus aveugle. Bien sûr, nous sommes prêtes. Oui. Tu dis honnêtement, c'est horrible. Je ne voulais pas vraiment ce truc. Monica, ton... Eh bien, ça fera l'affaire. Merci, mon chéri. Alors, Emma, c'est bien pour vous aussi. C'est merveilleux. Je suis si heureuse. Maintenant, il faut juste choisir. Monica ou Emma? Je suppose que celui de Monica est meilleur après tout. Et Monica gagne. Yeah, je le savais. Merci, mon amour. Merci de m'avoir donné la victoire. Ce n'est pas juste. Tout est acheté ici. Et la bague est juste parfaite pour moi. Elle s'adapte parfaitement. Zack, chérie, je suis en route. Quoi? Où vas-tu? Oh, laisse-moi tranquille, Monica. Je veux t'épouser. Chérie, attends. Je te rattraperai de toute façon. Elle est un peu effrayante. Oui, elle est un peu bizarre. Cette fois, c'est un oeuf chocolat qui vous attend. Il pourrait y avoir une surprise à l'intérieur. C'est un truc vraiment beau. J'en bave. Youpi! Je suis prête à dessiner. Êtes-vous prêtes, les filles? Alors, commencez. Ouais. Yay! Il est temps d'avoir une tenue de combat. Crachez sur les pinceaux. Les mains nous ont été données spécifiquement pour dessiner. Je pense pas que je vais abandonner les pinceaux. Je les prendrai comme les griffes de Wolverine. Je pense comme une vraie super-héros. Donnez-moi l'œuf et vite. Merci. Juste à temps. Ça rendra mon dessin parfait. Tout ce que j'ai à faire est de le tracer. Eh, c'est un chef-d'œuvre. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez complètement perdu votre peur? Mon dessin! C'est fichu pour toujours! Et tiens bon, Suzy! Le temps presse. Montrez vos travaux. Suzy, ton dessin est pas mal. Je sais, bien sûr. Monica, c'est quoi ton dessin? C'est affreux. Oui, mais sérieux? Et moi, c'est quoi cette morve sur ton papier? C'est pas moi, c'est pas ma faute. Peu importe, c'est décidé. Suzy gagne. Félicitons-la. Oh, je suis prête. On dirait que ça va être délicieux. Oh, Monica, prends ça. Avec plaisir. Et moi, voici un cadeau pour toi. Je suis tout à fait d'accord. Ah, pourquoi tu m'as donné ça? Les filles, on s'en va. Ah, c'est une surprise, ça, non? Quelle horreur! Alors, où est le prix? Je vole! Préparez-vous à dessiner! Et voilà, je suis là! Il a pris l'avion ou quoi? Votre prix sera ce casque d'astronaute juste ici. Croyez-moi, c'est très cool. C'est vraiment cool! Je pourrais aussi aller dans l'espace et regarder les étoiles. Puisque vous étiez intéressé par l'achat d'un casque, il est temps d'y aller. Allons-y, les filles. Un pinceau? Non, c'est trop. Je pense que la plume, c'est la solution. Ça fera apparaître mon dessin plus cher. Moi et mon Zack serons ensemble même dans l'espace. Moi et Zack allons flotter dans l'espace. C'est tellement romantique. Quoi? C'était quoi, ça? Je pense que je rêvais un peu. C'est reparti. C'est quoi ce bruit? Je savais qu'il venait pour nous. Nous devons nous protéger. Je ne vais pas dans votre espace. Je ne veux pas être kidnappée. Le temps est écoulé. Montrez-moi les dessins. Suzy, je suis choquée, c'est juste génial. Et toi, Monica? Ah, on est parti, hein. Mais je t'aime. Je vois. Alors, Emma, qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi cette tâche? Et se trouve que c'est... Donc, Suzy gagne. On applaudit. Je savais que je pouvais gagner. Donnez-moi mon casque. Prends ça, pas de soucis. Eh bien, je vais voler, alors. Ne m'attendez pas sur Terre. Je suis dans l'espace.
passe maintenant. On te souhaite un bon vol. L'essentiel est que tu ne sois pas kidnappé par des extraterrestres.